Ça tourne là. Hello. Bonjour les filles. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto pour réaliser ce short. Mais avant ça, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche et suivez-moi sur Instagram. Pour faire ce tuto, vous aurez besoin de... Je mesure la longueur que je veux. J'ai choisi comme tissu le wax car c'est un tissu très joli et simple à utiliser. Je plie mon tissu en deux et je le repasse. Je pose le devant du short sur le tissu en le pliant en deux et je trace mon patron. Je rajoute 15 cm au patron pour avoir un peu plus d'aisance et je retrace avec une règle. J'épingle mon tissu et je passe à la découpe. Je fais exactement la même chose avec le côté dos du short. Après la découpe de mes patrons, j'ai deux dos et deux devants. Je choisis la longueur que je veux pour la ceinture. Et pour trouver la longueur, je fais ce calcul. Je découpe ensuite la ceinture, je la plie en deux et je passe à la couture. J'assemble un devant et un dos et je fais la même chose avec l'autre côté. J'épingle bien et je vais coudre que ces côtés pour l'instant. Après avoir cousu le côté gauche et le côté droit de mon short, maintenant je vais assembler les deux parties. J'épingle bien et je couds le tout. J'assemble maintenant la ceinture à mon short et je fais bien attention de laisser une ouverture pour laisser passer l'élastique. La pose de la ceinture terminée, je peux enfin mettre l'élastique. Je fais une petite couture à la machine pour bien maintenir l'élastique. Je remets bien en place la ceinture sur l'élastique et je refais une petite couture. Je termine en faisant un ourlet sur le bas du short. Le short est terminé, j'ai trop hâte de l'essayer. J'espère que ce tuto vous a plu, moi je suis trop fan de ce short, c'est le deuxième que je fais, mais je pense que je vais en faire d'autres. Abonnez-vous à ma page, laissez-moi un commentaire et à bientôt pour une nouvelle vidéo.